peu changer d'ambiance. Je vais poser ça, ça m'encombre. Je disais donc, nous allons changer d'ambiance. Nous allons prendre cette machine à remonter le temps et se diriger vers une époque qui se rapprocherait du Moyen-Âge, à l'époque où des femmes fortes, des femmes qui dansaient en tribu, là où le temps des citoyens, des gens du peuple, là, un peu comme vous, étaient rythmés par le volant frotté, coloré de leur jupe. Nous avons le très très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la première fois au Letingo Cabaret une compagnie de danse ATS. Alors, il y en a deux dans la salle qui n'ont pas le droit de répondre. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la danse ATS? Non. Dans le texte, American Tribal Style. C'est une jeune danseuse des années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. Et dans ces années-là, une danseuse qui s'est mise en tête de faire un tour du monde des danses et qui, en mélangeant des danses orientales, des danses indiennes, des danses tribales, a créé un nouveau style qui est la danse American Tribal Style. Et cette compagnie a été fondée par la créatrice du Belly Fusion Festival. Rien que ça. C'est le plus gros festival de Belly Fusion. Oui, je sais que vous êtes des néophytes, mais vous irez vous renseigner sur Internet après, c'est pas grave. Je vous invite donc dans une plongée poétique, mystique et terriblement féminine avec les Urban Chamans, s'il vous plaît.